Déjà l'ascendant psychologique pour Sabrine. Hein. Moi je regarde, il y a tout versus Hyperlem, je fais un petit qui est en train d'être fait. Je pense que c'est pour mon Hyperlem. Ah ouais, moi tout. Il a pas réussi à battre Franco, ce qui est un peu triste, c'est quand même 7 par contre trop tout. Ouais, et bon. Tatooine versus Sekana. Est-ce que c'est un match-up qu'on a vu beaucoup? Chatwin, c'est quelqu'un qui vient beaucoup à Lyon. Et c'est Canor, bah, c'est un Lyonnais, mais depuis pas si longtemps que ça. Hein. Donc, je pense qu'ils vont bien jouer au moins une fois, mais pas comme ça. Enfin, en tout cas, les deux là, pas comme ça. Après, Chatwin, il est quand même vraiment pas mauvais contre les clubs. C'est vraiment. Bah, il a la patience, il connaît les strats. Il sait que son moment n'est pas venu et il va juste attendre jusqu'à avoir les bons pourcents pour finir la stock. Et une fois qu'il pourra finir la stock, il ira finir la stock. Et là, ça va être Ghost Rose. Moi, j'avoue que, ouais. En bas. Ça fait partie des. J'ai pas envie de me retrouver avec Ghost Rose. Ah bah, ça. C'est vraiment un match-up de la discipline des deux côtés en fait. Parce que Chatwin a vraiment pas le droit d'utiliser son outil. Chatwin n'a pas le droit d'aller chercher des trucs qui se font pas out-cancel très facilement. Dans des grades. Il n'a pas le droit d'aller chercher les grades donc aussi. À cause du low profile de Rondoudou. Ton meilleur outil est ton pire outil dans le match-up les grades. Ouais. Et voilà. C'est l'outil qui permet de terminer les stocks. Et aussi il peut pas edge guard. Il peut pas utiliser l'extension d'edge guard de Rondoudou. Après il y a des petits kindles. Oui voilà, il peut gratter les pourcents, mais il a vraiment besoin de ses grands hits, il a besoin de ses grands forwarders, ses grands backers pour pouvoir prendre des stocks de manière constante. Parce que sinon, compliqué. Oh non. Alors que à l'inverse, Puff c'est quand même un des persos qui edgeguard le mieux chic. Ouais. Et devoir UB avec Chic quand tu joues contre un peur, ça peut vite être synonyme d'un reste. C'est très flippant, ouais. Comme beaucoup de choses dans le match-up, hein. C'est vraiment un match-up où plus faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Ah, c'est un personnage qui va te boxer, te mettre dans une boîte. Et là, 92%, on arrive au pourcent. Où on va pouvoir trouver le grab. Là, voilà, on a une curative de grab, on cherche des trucs. Out of shield grab. Bon, mais Chatwin très patient. Tu sais que s'il approche pas, c'est à Sekanor de faire le tag. C'est à Sekanor de passer les needles, de passer les aerials du ventre. C'est un match-up où. C'est pas forcément le match-up où c'est plus un avantage de buff d'être très patient. Parce que bah. Oh, tout un bon smash. Il peut être très patient, quoi. Des needles, des backers et. Et je sais que ça lui va, quoi. Ça lui va de jouer du temps. Enfin. Pas jouer le temps, mais de rester un petit peu à distance. Et... Oui, voilà, je sais qu'il y a des outils pour maintenir petite distance, gratter les pourcents. Et au final, trouver des backers comme ça, la random aérial qui va. Qui prend les stocks. En vrai, il a touché la fin du spot du backer à un endroit où. Il s'est fait pousser. Où il a fait. Oh, c'était tellement bien joué. Alors, des il est en train sur Puff, c'est pas facile. Chatwin, ouais, franchement, extrêmement solide aujourd'hui. Ah ouais, c'est bon. Ça a pas l'air très drôle pour Sekanor. Hein. Ah, là, tout de suite, Sekanor, on sent un peu déboussolé, mais on trouve quand même ce grave et tiens, pas à conclure plus que ça. C'est Dawnthrow, c'est Backer. D'accord, on grave le temps. Quick backer d'outbook sur la plateforme. Ça te donne pas envie de rejouer chic un petit peu, genre quand tu vois ça? Oh là là, oh là là. Ah non, y'a plus de saut. Oh, y'a plus de saut. C'est bon, on a pas de tech. C'est Canor, c'est sûrement le seul Rondoudou qui a besoin de tech. Oui, parce que genre il a pas tech. Parce que genre c'est deux fois qu'il perd une stock sur le fait qu'il a pas tech sur les plateformes. Il a 0% par contre. Oh, c'est frappé après. Shot, oui, très solide, extrêmement solide. Mais oui, non, bah, Chatwin, très solide, ça, on le savait, et puis surtout dans un match-up où il est bon, quoi. Ça, ouais, est-ce qu'il est bon? Le match-up préféré, parce que pas forcément le match-up le plus fun à jouer pour toi, mais. Moi je pouvais pas être désagréable. Est-ce qu'on va avoir droit? Ah, ok. Ouais, 6 opening par KO. Ah, on est en décalé un petit peu.
C'est... Ok. Hey, y a un changement de couleur de la ventre canin. Ouais. De... Façon rouge agressif. Le style de Xbox, plutôt de Titan à Jeff, pardon. Le ruban de Titan à Jeff est venu avec le ruban de peuple dans les cheveux. Mais non, c'est pas un ruban de... C'est pas le ruban de Titan à Jeff, c'est la fleur. C'est quoi? C'est la fleur. Oui, non mais voilà, mais ça, ce ruban-là n'a pas réussi à ses canons. Du coup, il est passé sur la fleur. Ah oui, effectivement. Et on a or, pour aller avec... avec les couleurs de l'arbre de... C'est le Dreamland. Allez, bah, c'est parti. Je suis d'accord que la voiture a été plus adaptée. Et pour l'instant... pour l'instant, toujours très très consciencieux. Oh non, c'est un chupi. Toujours très consciencieux quand même. Cette win conserve le centre du terrain, mais il overextend jamais. Eh, j'ai pas vu un seul moment. Et... Oh, c'est grave. C'était tellement stylé. Il est vraiment bon parce que c'est un matelas, donc c'est vraiment bon. Enfin, avec Chic, c'est assez simple de, on va dire, de gratter, ouais. Par là, mais alors, à chaque fois, il arrive à trouver les kills quand il faut les trouver. Quoi. C'est très important parce que un rond doudou qui est laissé en vie trop longtemps, c'est un rond doudou qui a plus d'opportunités de clutch un comeback avec les gars, avec qui est sûrement des personnages avec le plus de X Factor du jeu. Le pin, oui, c'est bon, d'avance bien. On respecte un spacing suffisant pour que ces canards se win par la carte. Ouais, on a le dodge throw. Dodge throw, forward air. Et pour ça, on monte là-dessus. Je tenais pas à presser les shotwin, il est en mode je contrôle le terrain, je prends mes. Je fais les middles. Je prends les pourcents auxquels j'ai que des droits de prendre. Et vraiment, tu sais, c'est le genre de moment où. Puff, il y a vraiment pas mal de match-up où tu peux être en mode bon, bah là, c'est chaud, je vais essayer de jouer de plus en plus défensif, de plus en plus patient et ça va aller de mieux en mieux. Même si c'est dur et quoi, tu te forces à faire ça et ça passe, et ouais, c'est vrai qu'il faut même pas faire ça. Quoi. Mais non, là, c'est Canor, il est vraiment obligé d'aller jouer le jeu de contrôle du terrain. Il est obligé d'aller. Oh là là, ce neutral air. Ce counter hit neutral air, il est incroyable. Mais ce. Mais franchement, ouais, voilà, il est en. Puff doit jouer ici vraiment le contrôle du stage. Un truc qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'en vrai, c'est un matchup qui est considéré vraiment comme à l'avantage de Puff. Parce qu'il y a plein d'options auxquelles il n'y a pas le droit, il y a plein de restes qui sont faciles à trouver, qui peuvent être gardés très facilement. Mais quand on regarde ça, ben ça donne l'impression que c'est vraiment facile pour qui. Peut-être que. Et si les matchups en fait c'était dépendant des joueurs. Ouais, mais. Des fois, tu te dis juste, ok, il est meilleur, mais là, c'est même fou qu'il arrive à donner l'impression que c'est un match-up qui est facile pour lui. Facile, je dirais pas, parce que là, quand même, ça veut dire qu'il tourne autour de Rondoudou comme un vulgaire mid-tier. Je l'avais vu, Shotwin, quand on fait plus fort que. Mais être aussi défensif que contre un que comme ça contre un mid-tier. Bah oui, ouais, voilà, très bien joué. Il est tout défensif, il est patient, il fait des jeux qui sont pas trop punitables ou quoi, mais bah, ça marche, quoi, et en face, ça a l'air d'être un calvaire, quoi, pour ces canards. Ah bah, ce canard, en fait, il est bloqué sur le côté du. Il est toujours bloqué sur le côté du terrain. En fait, si on avait la game en accéléré, on se rendrait compte que Shotwin est toujours entre les trois plateformes. Et il force ses canards à choisir un endroit où aller. Il le force à aller en haut. Enfin, au-dessus de la plateforme ou en-dessous de la plateforme. Parce que passer à travers les plateformes quand t'es rondoudou, c'est pas absolument difficile. T'es obligé de faire des choix comme ça. Ça, les alliés comme ça, c'est important. Le Canor, il y en a quelques-uns qui l'a ramené alors que c'est quand même important dans le match-up. C'est censé être vraiment un des points clés de Puff dans le match-up. Ouais, mais après, Shotwin revient très vite. Il a des angles de B assez impeccables en fait. Oh là 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 là, Shotwin. Shotwin qui tue à 122% en moyenne, ce qui est vraiment assez insane. Ce qu'on fait un rendez-vous, c'est. Quand tu vois que le rendez-vous tue à plus haut pourcent, c'est ça qui est. Il y avait 130% de précanor. Alors que, justement, trouver un kill sur une Edgard ou un reste, ça va tellement vite de trouver des kills à 20% normalement. Bah oui. Ouais, pas clair. Il y a des moments comme ça en neutral à plus haut moment où tu regardes le Shotwin, il va passer son temps vraiment juste à tourner le dos à ses cadres. Oui. Ah bah, il veut facile parce qu'il veut utiliser son propre backer, hein, son aérien l'a plus loin. Mais après Dreamland,
Alors je suis surpris que Sekanor ait pas tenté Dreamland le plus vite possible. Mais après, dans un concours défensif, quand tu vois que ton adversaire est plus défensif que toi, gère mieux cette position de défense, l'emmener sur Dreamland, c'est peut-être pas le meilleur point. Mais ici, ça va être beaucoup plus difficile d'aller trouver la random aérienne entre guillemets pour terminer les stocks. En vrai, voilà, mais quand tellement les teams, c'est dur de tuer peuple et un reste est si arrivé quand même. Mais oui, mais je crois qu'on n'a pas vu un reste depuis le début du set. C'est ça quand même. Oui, il n'y a pas eu un seul reste. Aucune tentative même de reste. Rondoubou a pas. Sekanor a pas appuyé sur Don B depuis le début du set. Ouais. C'est une immense preuve de respect en fait. C'est une preuve de respect et c'est une preuve de. Le nerf en touch shield qui fait le thé, le café et t'apporte le petit déj au lit. Oui, il sait bien faire des trucs qui. Pareil, tu vois, genre. Il aggrave très peu dans la game, ce qui est. Bah, est-ce qu'il a été en position de grab en fait? Il a jamais été suffisamment proche. Bah, un grab, enfin un bout de grab, c'est très vite arrivé avec les cures. Oh, pardon, je pensais que tu parlais de. Je pensais que tu parlais de puff. Mais oui, effectivement, là, je suis aussi qui est extrêmement discipliné. C'est ça qui est arrivé. Tu as même en double tout à l'heure, tu as Queen par exemple, mais c'est un peu plus le chaos en double, du coup c'est normal que ça puisse arriver plus, mais je l'ai vu essayer de grab. C'est tellement clean! On arrête là. 99%, je vois Eiffage avec de la désapprobation dans le regard. C'est pas mal. Allez, le backer. J'ai pas trop cru quand j'ai vu Sekanor aller dans le vide, alors que des fois juste garder l'aide, tu me dis que bah c'est une meilleure B et c'est une meilleure option. C'est un reste derrière quoi. Mais là, en plus, à 0%, il y a quoi comme follow-up avec Chic? Pas grand chose. C'est ça qui est. C'est downspawner. Non mais on faisait un reste, mais il y a même pas forcément qu'on arrête. Un backer ou quoi. D'ailleurs, c'est ça qui est étrange avec le nerf de Rondoudou, c'est qu'à bas pourtant, c'est vraiment une option. Safe en fait. Enfin, safe. Tu vas quand même prendre si tu frappes 30%. Le reste, tu veux dire. Ouais, reste à bas pourcent, c'est une option safe. Même pas 30%, hein, downspawner, je sais pas combien ça fait. C'est l'option qui fait plus de pourcent pour Chic. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est mon. T'as toute une partie de personnage. Oh là 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 là. Je sais pas si c'était un mission put, mais ouais, mais là il va pas réussir à finir. Il va juste prendre son autre. Il y a pas de. Il y a absolument pas de finish en fait, direct sur ce type de choses. Ça c'est ces phases-là, d'être garde normalement. Voilà. Oh là là. Il revient une fois. En vrai, avec le vent, le vent a une possibilité de te pousser offstage. Et si te pousse offstage. Oh non, les pourcents qui étaient juste assez haut. Si le vent te pousse offstage alors que tu es endormi en te prenant debout, ça te réveille pas alors que. C'est un problème sur Dreamland. Un autre truc, c'est que le vent avec Chic, des fois, c'est très douloureux. T'as un peu l'impression d'être un check et mat quand tu dois être sur le stage, mais des fois tu veux être cancel grâce au vent pour EP. Alors voilà, c'est être sur une plateforme, t'appuies sur le côté d'une plateforme et t'as le vent qui pousse et du coup. Quelle dinguerie. Ça c'est. C'est Super Smash Bros. Melee pour un Nintendo GameCube. Il y a des moments, t'as un peu l'impression que c'est le seul moyen de pas te faire reste par un peu quand tu es sur le stage. Quoi, et pour l'instant, là, il n'y a pas eu de situation du tout où Shpoon a été forcé de payer sur le stage et oh là là, le grab. Bah, enfin, il y en a eu une. Il y en a eu une où il s'est fait reste, quoi, pour l'instant. Et voilà, point. Un reste sur le. On aura eu un reste sur le set, qui est quand même. Un reste sur un set qui est dur, là. Genre, c'est. Là, sur un set de 12 minutes, j'ai eu un reste. Oh. Non, la drill n'y trouvera pas. On reset neutral, encore une fois. C'est vrai que c'est un match où il y a un peu des douilles des fois contre Chic. Je sais pas si c'est que Sekanor aussi. Je sais pas s'il est extrêmement à l'aise dans le matchup, mais des fois il y a un peu des douilles que tu peux essayer de trouver, genre des nerfs rest, des trucs comme ça. Oui, parce qu'on sait que quand je cancel de nerfs et le nerf rest pour faire des choses. Je sais que Kefir il m'en a mis beaucoup. Mad March maintenant. Il m'en a mis un paquet ça, des nerfs rest. Seule personne qui m'en a mis aussi, mais. Après, là on en arrive dans les pourcents dangereux. 89% là, Sekanor a vraiment plus le droit de. 90% il a plus le droit de rest. C'est grave de. Là c'est le moment. Ouh le forward air c'est dangereux. Je crois pas qu'il ait refresh saut. Là il est très vulnérable. Oh il a très bon air dodge sur la top plateforme là par contre je commande le respect. Ça commande le respect. La chope il sait qu'il a une fight rapide gratté et. Ouais. Chatouille il est très équitable dans le match avant c'est. Chatouille. C'est les needles du Chatouille. Neutral opener, 25, neutral B. Ouais, voilà, genre, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as un neutral B. Et là, je vois le regard de ZCK après avoir vu ce set.
Aïe aïe aïe. Mais voilà, du coup, c'est un top winner. Ouais!